Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le troisième épisode de Kirby Star Allies sur Switch, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve où je vous ai quitté la dernière fois, c'est-à-dire au début de la planète Pop, après avoir plus ou moins terminé l'exploration du pays des rêves, donc de Dreamland. On avait fait l'épisode bonus, plus les deux niveaux qui nous menaient jusqu'au roi Dadidou, que nous avons d'ailleurs recruté, parce que c'est quand même relativement métal de pouvoir recruter ses ennemis. Et aujourd'hui, on va revenir à Dreamland pour aller récupérer ce qu'on a manqué dans le biscuit bonus, et ensuite nous attaquer la campagne cordiale, premier niveau de la planète Pop. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez signaler les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique, EPIC, hashtag fail et fail, plus le moment que vous voulez que j'ajoute à la compile. Donc, je me suis renseigné sur c'était quoi le FUC. Et en fait, il se trouve que la clé, je l'ai loupée tel un pimpon. Oui, mesdames et messieurs, tel un pimpon. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère un... On va avoir besoin d'un allié de feu. Donc il va falloir qu'on dégage probablement Bugsy ou Vividia. Et en fait, ça se trouve dans la troisième section avec une graine à péter. La graine que... Oh putain, comment l'enchaînement qu'on lui a mis dans la tronche. Donc si on... il y a en fait une graine à casser et elle était dedans. Donc, apparemment, j'ai pas cassé la bonne graine, je sais pas quoi, mais... Une chose est sûre, c'est j'ai pas été là où il fallait. C'était là au milieu. J'espère juste qu'il y a un ennemi de feu dans le coin parce que... Ok, attends, il y a du feu ici. C'était en bas. Pour les trucs qui m'intéressent. Voilà. Alors, on passe ici pour récupérer des pièces de tableau supplémentaires. Dis-moi qu'il y a un Léo Laflamme dans le coin. Remarque, au pire, je peux prendre Léo la flamme moi-même. Au pire, on dégage Bugsy. Attends, y a un Léo la flamme ici. Non, copain. Donc, tu remplaces Bugsy. Voilà. Et en fait, il y avait une plateforme en hauteur où il y avait une graine. Je crois que c'est celle-là. Il faut qu'on tape la graine. Parce que dans la graine... Hein. Vous avez le droit de péter la graine. Vous avez le droit de m'aider à péter la graine, les gars. Hein. Les gars, je peux avoir de l'aide pour péter une motherfucking graine. Allez, vous avez le droit de m'aider, hein. Ah tiens, ça va devenir ma copine, la graine. Bon. On me rassure, celle-là, je peux la... Ou alors que Knuckle Joe peut pas la péter. Ah merde, attends. Au pire, je sais ce que je vais faire, je vais dégager ce pouvoir. Non. C'est quoi ça? Oh ouais, ça prend en quelque chose, c'est pas ce que je veux. Ah merde, non. Voilà, viens ici toi. Voilà, je vais pouvoir prendre le Kirby de feu. Est-ce que le Kirby de feu peut faire ça? Avec un souffle de feu, il doit y avoir moyen. Non, même pas. D'abord, il va me falloir un truc tranchant, qu'on va dégager ce pouvoir. Et viens ici, toi. Voilà. Voilà, la clé était bel et bien ici. Et maintenant, je peux l'amener là. Là, je récupère 3 pièces de puzzle supplémentaires. Et puis, vous savez quoi? Je reprends le pouvoir de feu maintenant. Et... on active ce truc qui va nous mener à un niveau à sens unique, enfin à sens de double sens plutôt. Et vous allez voir pourquoi on avait besoin. Voilà, déjà, voilà, ils nous mettent un Léo la flamme au cas où on n'en a pas. Et il faut qu'on fonce. En plus, il y a des convois de le dit. Allez, nanana. Allez, tous dans les canons. Allez, bon, on a encore le temps. T'as du tout qui est en train. Allez, Kirby est prêt, Léo la flamme est prêt, Vividia est prête, et le roi Dadidou est prêt. Voilà, comme ça, en faisant ça, on pète ces trucs, on récupère plein d'étoiles, et au bout, nous trouverons un coffre qui contient la pièce de tableau arc-en-ciel. Et avec ça, on va aller terminer le niveau vite fait, voilà, comme ça, on va pouvoir la valider. Allez, fonce mon petit Kirby. Ça, c'est quand même, on a une espèce de tache de feu, c'est pas mal ça.
plus il faut, faut foncer pour faire ce genre de truc. Bon, allez, on a un deuxième. Hop. Mais du coup, quand on récupère des pièces de tableau doublon dans un niveau, est-ce qu'elles comptent deux fois ou une seule fois? Bon, ok, la pièce arc-en-ciel, elle compte une seule fois, je pense, mais celle-là, les pièces entre guillemets standard. Je vous avoue que je sais pas. Allez, du coup, on va refinir le niveau, parce qu'il faut quand même qu'on valide tout ce bousin. Bon, par contre, je finis le niveau en mode speedrun, hein. Je veux dire, j'ai récupéré ce que j'étais venu chercher. Et attends, je suis en train de me dire, est-ce que je peux prendre le pouvoir de Bonkers? Je vais tester un truc. Ah ouais, trop bien! Bon, par contre, il y a deux Vividia, hein. Attends, du coup, je peux avoir un marteau de feu? Et comment c'est trop la classe? Eh, Léo! Léo! Je vais pas me faire un marteau de feu? Ok. Bon bah au moins Vividia elle me soigne. Merci. Merci Vividia. Non mais c'est bon, tu peux partir hein, j'ai ce qu'il faut. Du coup on peut faire ce genre de truc. Allez. Voilà! C'est tout ce que je voulais. Un pyro marteau. J'ai l'impression d'être Bob Lennon en pyro barbare, tu sais. Alors, on récupère quelques vies, quelques pièces, voilà. Vividia, c'est à toi de jouer. Parfait, c'est terminé. Je voulais juste valider cette pièce arc-en-ciel, comme ça, on n'a plus rien à faire dans le monde 1. Alors, on a juste le jeu de fin de niveau. Allez, est-ce qu'on va monter au 1? Non, toujours au 2 pour l'instant. Mais c'est très bien le 2, c'est très bien. J'aime vraiment cette compo d'équipe, c'est dingue. Allez. Ouais, oh d'accord, c'est pas mal de refaire le niveau pour avoir des pièces supplémentaires. Et ce niveau-là, il reste plus beaucoup ici, hein. D'accord, mais je dirais qu'on a facilement les trois quarts de ça, attends. Donc voilà, la pièce arc-en-ciel, elle est validée. Si je regarde, galerie 60 sur 80, donc je pile les trois quarts du premier tableau. Du coup, alors, on peut prendre l'étoile Warp pour aller sur la planète Pop. Et puis le canard approuve, merci cher canard. Donc on est passé d'un havre de paix à un monde de miracles. Allez, on va pas vous faire attendre plus longtemps, direction la campagne cordiale. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, attends, j'aurais peut-être pu prendre le pouvoir, attends. Au pire, le prochain que je vois comme ça, copain! C'est quoi? Chabalet. Allez, tu vas remplacer Léo la flamme. Attention, moi j'ai un pyro marteau. Attends, il... Oh, c'est quoi ce truc? Ok, c'est un espèce d'épouvantail. J'aurais peut-être pu faire copain avec. Je l'ai vu, copain! Mary. Oh, d'accord, c'est pour avoir un chabalet. Ouais, non. T'es KT, frère, regarde-moi ce que j'en fais. On peut les brûler! Et oh, un coffre qui contient une pièce de tableau. Oh, attends, il y avait 20 étoiles. 10 étoiles, pardon. Et rouge, c'est 10, pas 20. Est-ce qu'on peut dire que c'est une déformation Zelda, où le rouge est égal à 20? Ah oui, les rubis rouges, tout ça. Ok, qui a besoin de heal? Tiens, Dadio. Allez, section suivante. Oh, y aurait-il un gros... J'ai pas fait attention s'il y avait un gros interrupteur dans ce niveau. Et je suppose qu'en faisant pause, on peut pas le savoir. Dommage. Tiens, attends, tu peux faire quoi niveau move avec Kirby de feu? Avec Kirby marteau, pardon. Ce marteau géant offert par le roi lui-même permet d'enfoncer des piques. Il peut aussi être chargé pour des coups dévastateurs, mais attention, ne pas abuser. Demandez aux amis de lui jeter un effet élémentaire. Ok. Donc on a marteau, bas plus Y marteau tourbillon, course marteau toupie, pirouette marteau, pirouette ultra, d'accord. Marteau ardent chargé, se déplacer pendant la charge, lancer du marteau. Pirouette marteau, d'accord. Très bien. Oh, nice! C'est stylé! Voilà, on va dégager ce truc. Je me demande s'il y avait pas un truc en hauteur. Non. Je pense que s'il y avait un truc en hauteur, il nous laisserait un indice pour dire « Hey, tu peux aller en haut !» Oh, j'adore ce truc. Voilà. Le marteau de feu, je trouve que c'est quand même une sacrée combinaison, une sacrée idée.
Ok, on récupère des étoiles pour avoir une vie. Attends. Il y a un truc ici. Ah ah! Y aurait-il quelque chose d'intéressant? Ok, d'huile. Et là, une pièce de tableau. Hein? Oh, un trésor qui contient deux pièces de tableau. Attention! Ce n'est pas une pièce de tableau, mon monsieur, c'est deux. Et là-dedans, des étoiles. Allez, on continue. Section suivante. Ouais, bah on va peut-être attendre que les plateformes réapparaissent. On va peut-être revenir en arrière. Histoire de reset. Ah, est-ce qu'on peut? Ah, ou tu peux le faire en l'air. D'accord. Ça marche aussi. Je dirais même ça m'arrange. Parce que bon, s'il faut perdre nos vies pour ce genre de conneries... L'idée me plaît moyennement. Non. Ouais, voilà, donc j'aime bien, je garde mon marteau de feu. Ah, oh, il y a quelque chose là-haut. Ah, oh, mais non, c'est la suite normale du niveau, j'ai l'impression. Oh, attends. Niveau à sens unique ici. Ah, d'accord, il faut un truc. Au pire, on va remplacer Chabalet par du cage-viande. Eh, copain. Merci, copain. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Quel est le contenu de cette salle? J'aimerais bien le savoir. Ok, il faut Chabalet plus hache-viande. Au pire. Je vais le prendre moi-même, celui-là. Ménage. Oh, d'accord. Donc, si je fais ménage plus du cache-viande... Ça va faire quoi, un aspirateur? D'accord. Qu'est-ce que je lui donne? Un aérotrancheur. Oh, ça c'est la classe. Oh, d'accord, ça active le ventilo et on récupère plein de trucs, dont une pièce de tableau. Ouais, c'était pas mal là. Bon, et du coup, maintenant on a un Kirby femme de ménage. J'ai envie de dire, eh, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec, avec le Chabalet? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Donc coup de balai, ok. Maintenant, il y a que balai mobile, maintenir puis relâcher, bon débarras. Pitch ménage chargé. Nago ménage, chuchu ménage, ok. D'accord. Donc si je fais comme ça... D'accord, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais, non, quand même, je vais peut-être en prendre un autre. Tu vois, le ducage géant... Ah, merde, attends, ducage géant vient ici. Voilà, on donne... Du cajon, il peut faire quoi d'intéressant? Il a... Ok, il a des espèces de trucs à distance. Attends. Merde. Genre... Ah! J'ai encore une fois oublié que je pouvais faire copain. Ok, attends. On va descendre. Agiande, c'est à toi de jouer. Oh! Regardez-moi ça! Deux pièces de tableau supplémentaires plus une vie. Bon, les vies, c'est pas vraiment un problème. Je veux dire... Hey. En deux épisodes et demi, on a multiplié notre nombre de vies par 4. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Attends, toi, tu peux être copain? Tu peux être copain? Non, tu peux pas être copain. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'on lancerait pas les paris sur le nombre de vies à la fin du let's play? Moi, je dis, ça pourrait être intéressant de faire ce genre de nombre de vies. Allez, je vais parier sur 64. Voilà, 64 vies à la fin du let's play si on continue à ce rythme-là. Oh, mais nous avons trouvé un gros interrupteur, mesdames et messieurs les gens. Est-ce que ça mènerait au Palais des Rêves? Yes, on a accès au Palais des Rêves sur la planète Pop. Ah ben voilà, je me disais bien qu'il fallait explorer. Il faut toujours explorer. C'est une morale très très importante, les gens. Il faut toujours explorer. L'exploration, ça paye. Même si c'est juste pour, genre, des étoiles, des trucs qui peuvent ne pas paraître folichons, ne vous inquiétez pas que ça peut toujours finir par être utile. D'ailleurs, ça peut être une note pour ceux qui découvrent la chaîne au détour de cette série. Quand il y a possibilité d'explorer, je le fais. Parce que, comment dire, les gens, les développeurs ne se sont pas éclatés à coder des trucs pour rien. Donc moi je dis, il faut rendre hommage à ce qu'ont fait les développeurs en explorant. Oh, mais attends, ça c'était dans la démo. Ça c'était dans la démo, l'estrade des amis. Allez, tous ensemble. Le cercle d'amis! Ouais! Par contre, il faut juste que je réapparaisse. Voilà, parce que je me dis que ça pourrait faire une bonne miniature. Boing!
pièces de tableau que nous avons récupérées. Zone suivante, le cercle est en marche. Parce que c'est notre projet. Pardon. Manu, qu'est-ce que tu fous là? On t'a dit de dégager. Sacré Manu, il s'est invité dans ma vidéo, je lui ai même pas envoyé d'invité, le mec quoi. Sûr parce qu'il est président, il se dit ouais mais c'est bon, t'es qu'un de tes frères, je peux aller où je veux. Oui bah écoute hein, moi j'ai pas voté pour toi, alors voilà hein. J'ai pas voté Le Pen non plus avant que vous vous demandiez. Et bon, ceci n'est pas un épisode politique. Oh, puis c'est la fin du niveau. Et il y avait la pièce arc-en-ciel à la toute fin, nice. Ok, donc on est déjà à 32 vies et ce niveau est terminé. Allez, est-ce qu'on peut atteindre le 1? J'aimerais bien atteindre le 1, s'il vous plaît. Ce serait cool. Ah, toujours pas! Mais bon, au moins, on enchaîne les deux. Et je préfère enchaîner les deux au 6 ou au 7. Eh ben, c'est pas mal, tout ça. Donc, 8 pièces de tableau qui viennent se greffer ici. Donc, 67 sur 80. Et la pièce arc-en-ciel qui va nous monter ça à 70. Eh, on pourrait presque avoir notre premier tableau commémoratif aujourd'hui, ce serait cool. Je regarde où on en est, 16... Bon, on a le temps de se faire encore un niveau, ouais, tranquillou. Je dirais même pouette-pouette. Donc on a accès au palais des rêves et au niveau suivant, l'océan onirique. Alors du coup, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on peut... Qui peut-on obtenir au palais des rêves? Moi, j'irais bien y faire un saut. J'espère juste que c'est pas le roi d'Adidou, parce que le roi d'Adidou, on l'a déjà avec nous. Et effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur. Alors juste que je regarde au niveau de l'océan onirique, interrupteur plus pièce arc-en-ciel, c'est bon à savoir. Alors qu'avons-nous là-dedans? Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Parce que bon, le roi d'Adidou, comme j'ai dit, je l'ai déjà. Alors c'est parti, tentons notre chance. Ok, on a juste le bandana Waddle-D, voilà. Au pire, tu vas remplacer le duc Agir. Ouais, bon, je pense qu'il faudra qu'on revienne plus tard, mais à mon avis, en fait, je me demande si jamais on fait pas copain avec les boss, ils reviennent au palais des rêves, je pense. Allez, direction l'océan onirique. Pour dire au revoir à un ami, appuie sur L plus A pour choisir l'ami. Bon, non, je dis pas au revoir. Oh, ces couleurs sont magnifiques. Ah! Et puis Kirby qui a les lunettes de plongée. Apparemment, j'ai pas l'impression que tu puisses faire grand chose. Non, Waddle Dee Parasol. Oh, remarquez, Waddle Dee Parasol à la place de Waddle Dee Bandana. Tout en plus, je me souviens dans la démo. Oh, attends. Qu'est-ce que tu dis? Oh, d'accord, on a un hydro-trancheur. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ah mais en tout cas, je le redis, je trouve que les couleurs de la réalisation graphique de ce jeu est magnifique, franchement. Oh, attends, copain? Pas copain. Oh, le... Yeah. Ok, ça, je le connais, ce truc. C'est le O plus B de Kirby dans Smash Bros. Copain. Le O la flamme? Non. Non, non. Bon, moi, je suis un type O, hein. Je m'entends pas bien avec les types feu. Enfin, les types feu s'entendent pas bien avec moi, plutôt. Niveau secret. Enfin, porte à sens, à double sens. Quand j'apprenne la terminologie de Kirby, nom de Zeus. C'est un peu mon... J'ai déjà un peu ça dans mon boulot d'apprendre des terminologies, alors une de plus, une de moins. Ok, donc on aurait besoin d'aller... Est-ce qu'on a vraiment besoin? Oh oui, on a besoin d'aller au La Flamme. Eh ben, vous savez... Non, vous savez quoi? Je vais remplacer mon Waddle Dee par ça. C'est, j'aime bien le combo... Vividia est utile, j'aime bien la puissance qu'apporte le roi d'Adidou. Allez. Alors, c'est pas ce que j'avais en tête... Léo La Flamme, tu fais quoi? C'est pas le moment de prendre ta pause syndicale, hein. Eh oh. C'est quand tu veux que tu fous le feu, mec. Ah, d'accord. Il faut machin. Mais non, on le tape pas. Bon, au pire. Je vais dégager le pouvoir et je vais prendre le parasol moi-même. Donc si je me mets comme ça, allez. Voilà, on ouvre le parasol. Le co-parapluie. Léo, à toi de jouer. Est-ce qu'on aurait la pièce de puzzle arc-en-ciel? Ouh, alors déjà on a plein d'étoiles. Ah, puis on a le pour amortir les chutes, c'est pas mal. Et deux pièces de tableau supplémentaires. Ah bah moi je dis, je regrette pas d'être venu, hein.
Et donc du coup, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça permet de nous dire que dans la démo, en fait, on n'avait pas des niveaux entiers, on avait juste des bouts de niveaux des premiers levels pour montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans ce Kirby. Je trouve ça vraiment sympa. Non, là, on est déjà allé. Bon, puis on trouvera un autre truc. Oula. Le gros monsieur Taporia. Allez, zone suivante. Je vais quand même pouvoir trouver autre chose que le parasol. Le parasol, il me botte moyen quand même. Oh. Bon, au moins, on a l'avantage de pouvoir mettre des coups de parasol sous l'eau, et ça, c'est cool. Copain. J'ai l'impression qu'on peut pas faire copain sous l'eau. Copain. Je l'ai vu. Copain. Et on a déjà notre 34ème vie quand même, c'est dingue. C'est vrai que là au moins on peut pas dire que dans les premiers niveaux on est en rate de vie. Ça je dis, le jeu il a ça pour lui. Tu peux vraiment pas dire que dans Kirby Star Allies tu es en galère de vie. Tu peux vraiment pas le dire ça. Et puis si tu le dis ça, je te crois pas. Hein. Au plus que tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué à un jeu de plateforme dans sa vie. Ok, je sais pas pourquoi, je pensais que j'étais le Léo la flamme. Ok, la suite est par ici. Oh, attends. Pièces de tableau dans les caisses. Il n'y avait pas la peine d'en faire des caisses, les gars. Quelque chose au-dessus? Non, rien au-dessus. Et bah du coup, on va aller pouvoir emprunter la poporte. Allez, section suivante. Vent et technique, j'ai le pouvoir du vent et d'arbre pour la rendre aérienne. Ouais, bon, ça. Hein. Allez, on ressort de là. Bon, Léo la flamme, on en a déjà un dans l'équipe. Donc, peut-être autre chose. Ça, je peux pas être copain. Waddle dit parasol. Non, j'ai d'eau. Est-ce que je prends le pouvoir de l'eau? Voilà, merci Dalidou. Attends. Non. Ah merde, je voulais. Mais je voulais faire copain. Maintenant, j'ai plus de pouvoir. T'as du chien. Vous êtes gentil de vouloir aider les gars, mais vous chiez un peu dans la colle, sérieusement. Vous chiez un peu dans la colle, moi je vous le dis. Bon bah, la flamme vient ici. Bon, moi j'ai un pouvoir. Bon, bah du coup c'est ça qui est bien. Non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. La flamme, je vais te dégager. Non, mais je te veux pas, bordel. Voilà, moi je vais récupérer un Waddle Dee parasol à la place du Léo la flamme. Donc, il va falloir... Je disais donc, voilà, on va faire ça comme ça, et ça ici, moi j'allume le truc, quand ça revient ici, je vous rappelle, ok, je crois que j'ai oublié un détail, ah il en faut deux, ok il en faut deux, qui on dit au revoir, j'ai pas envie de dire au revoir à un des deux là quoi. Au pire, je crois que je vais... Ah mais on a plus de Léo la flamme dans ce cas. Putain. Bon bah, du coup le problème c'est résolu, on a dit au revoir à Vividia. Je voulais pas dire au revoir à Vividia parce que moi justement elle m'était très utile, Vividia. Oh, putain. Allez, mettez-vous en place les gars. Bon, au moins on garde le roi d'Adidou. Toujours ça de prix. Voilà. Allez, boum. Et dedans. Oh, un niveau caché. Bah allons-y. Et en plus, il y a un interrupteur à activer. Il faudrait qu'on le trouve. Ce serait bien. Non, on peut pas descendre ici. Ah bah voilà. Je parlais d'interrupteur. Le voici. Donc, niveau caché. Enfin, étape secrète, comme ils appellent ça. Étape bonus. Très bien. Copain? Pas copain. Bon, bah, pas copain. Le monsieur, il a dit pas copain. Pas copain. Je suis en train de me dire. Hé, hey, Dadidou. Non, je peux pas faire un parasol de feu. Bon, vous êtes pas drôles, les mecs. Oh, attends. Je peux voir. Venez ici, du géant, tu vas remplacer un Waddle Dee parasol. Allez, on ouvre la porte tous ensemble, les gars. Yay! Allez, on a toujours une pièce de tableau arc-en-ciel à trouver dans ce niveau. Ce serait pas mal qu'on s'y emploie. Oh, j'aime bien ces sections quand même.
Allez. Les gars, vous avez le droit de nous aider, hein. On prend un petit peu de dégâts, ça c'est pas grave. Une pièce de tableau supplémentaire. Oh! Une sucette. Une sucette, c'est cool. Ça rend invincible, les sucettes. Yay! Quelque chose d'autre, si je grimpe. Si je flotte, est-ce qu'il y aurait quelque chose en hauteur? Je sais pas pourquoi, je veux être sûr de rien louper. Non, c'est bon. Bah, du coup, la pièce arc-en-ciel n'est pas ici. Bon. Allez, zone suivante. De toute façon, le niveau n'est pas terminé tant qu'on voit pas la grande porte dorée. Sans moi, c'est dire ça. C'est bon, c'est fini, t'as trouvé, poteau. Alors. Si je vais dans. Allez, dans l'eau. Et je vous pète les. Oh, ouais, hop, une pièce arc-en-ciel. Enfin, une pièce arc-en-ciel. Une pièce de tableau, pardon. Pas arc-en-ciel, juste. Juste une pièce, quoi. C'est une pièce normale. Oh, oui, attends. Je peux être un truc électrique. Non, mais. God damn it! Je voulais prendre le pouvoir de ce truc. Bon, bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est? Chef Kawasaki. T'as ce placement de produit, sérieusement? Kawasaki, c'est... Attends. Je vais prendre son pouvoir. Et ici. Cuisine. Ah, c'est de là qu'il vient, le Final Smash. C'est de là qu'il vient le Final Smash de Kirby. Régal ami. Ah, c'est... Ah, j'adore. C'est énorme. Ok, donc c'est de là que vient le fil... Hey, bon, viens ici toi. Un Kirby Plasma. Ok, donc on tient des petits rayons. Les petits rayons. Ah, et voilà la pièce de tableau arc-en-ciel. Alors maintenant la question, est-ce que ça va nous suffire à compléter... Oh, bon, en plus c'est juste à la fin. Est-ce que ça va suffire à compléter le premier tableau commémoratif? J'aimerais bien. Il faudrait qu'on ait récupéré au moins 7 pièces de puzzle qui viennent se mettre dedans. Alors déjà, on a le mini-jeu de fin d'étape. Alors est-ce qu'on va atterrir au 1 cette fois? Toujours pas. Toujours pas. Mais le 2, c'est très bien. Très bien. Alors, on a 8 pièces de puzzle. Oh, ah, il va nous en manquer une. Vas-y, une pièce. Espèce de rat. Tu me prives de ça pour une pièce, espèce de pimpon. Oui, c'est un pimpon, mesdames et messieurs, c'est un pimpon. Alors, donc on a accès à cette zone-là, l'aurore arctique, et on doit avoir accès à autre chose aussi. Ah, ok, il y a la plaine et la plage. Ah, la plaine et la plage. Ok, et ben, c'est pas mal tout ça. Donc voilà, ça va valider la pièce arc-en-ciel et l'interrupteur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre juste à récupérer? Juste une pièce arc-en-ciel. Juste une pièce arc-en-ciel. Mais du coup, on a cette partie-là. Ok, on va probablement partir de l'aurore arctique pour partir là-bas pour la suite. Bien. Eh bien, écoutez, les gens, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Kirby Star Allies. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Sinon plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler de la chaîne autour de vous. C'est le cœur, vous dites tout ça. Vous le savez, la télévision de question, ça fait plaisir. N'oubliez pas les moments épiques et les fails avec les hashtags associés. Et en attendant la suite de notre exploration de la planète pop dès demain, eh bien, je vous remercie une fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.